Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des étoiles de groupe en jouant avec d'autres joueurs. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir sélectionner le mode de jeu Fortnite Festival scène principale. Donc vous allez dans les jeux créés par Epic et là vous cherchez la scène principale. Ne vous trompez pas avec la scène d'impro ni avec la scène royale. Il faut vraiment aller dans la scène principale. Ensuite, vous sélectionnez le jeu, enfin le mode de jeu, et vous lancez en comblé. Donc vous mettez oui, hop, et vous lancez en comblé. Très important parce que vous allez devoir faire des étoiles en groupe avec d'autres joueurs. Donc forcément, il faut que vous jouiez en comblé. Alors maintenant, quand vous êtes dans le lobby, vous allez devoir choisir une chanson. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir une chanson, n'importe laquelle, hein, mais essayez de choisir une chanson assez lente, et voire même une chanson que vous connaissez très bien, ce sera mieux. Moi, je vais choisir Lady Gaga, ça me semble plutôt bien. Et pour la chanson de Lady Gaga, vous pouvez voir qu'il y a une difficulté de 3 à la guitare. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on peut le voir ici, hein, que si je suis à la guitare, j'ai une difficulté de 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un instrument avec le moins de difficulté. Ben, la guitare, c'est peut-être bon aussi. Mais faites en sorte de ne pas choisir l'instrument avec le plus de difficulté. Là, vous pouvez voir qu'il y a 4 barres. Donc, je vais avoir plus de difficulté à faire des points et à avoir des étoiles avec 4 barres qu'avec 3 barres. Voilà, moi, je vous conseille fortement de diminuer la difficulté pour être sûr de réussir le défi facilement. Alors ensuite aussi, en bas à droite, vous pouvez voir qu'il est marqué moyen. C'est le mode de difficulté. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le plus facile. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des notes qui vont arriver petit à petit. Que vous n'allez pas devoir switcher entre 5-6 boutons. Si vous mettez facile, ça va être facile, tout simplement. Alors maintenant, quand la chanson commence, vous allez voir qu'en bas à gauche, vous avez vos étoiles à vous. Et en bas à droite, vous avez les étoiles du groupe. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire pour obtenir des étoiles du groupe, c'est faire un maximum de scores. Si vous gagnez vos 5 étoiles en bas à gauche, forcément, vous allez minimum gagner au moins une étoile dans votre groupe en bas à droite. Et l'objectif du défi, c'est de gagner 18 étoiles de groupe. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, parce que de toute façon, c'est impossible, parce que chaque musique vous rapporte que 5 étoiles maximales. Mais voilà, vous allez devoir essayer de marquer un maximum de points. Donc n'hésitez pas à mettre des x2, parce que ça augmente votre score à vous, mais le score du groupe aussi. Et vous pouvez voir aussi à droite de la guitare, enfin des touches, si vos alliés mettent un x2. Donc moi j'avais mis un x2, il y avait un allié qui l'avait mis en même temps, donc ça faisait x4 de notre étoile, de notre score de groupe. Et vous pouvez voir qu'ici en bas à droite, on est déjà à 3 étoiles, parce que on fait pas mal de scores. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous jouez avec des bons joueurs, vous allez faire les 5 étoiles pour chaque chanson. Donc vous allez pouvoir réaliser le défi très facilement. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à obtenir un total de 18 étoiles, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCM.